Bon, Xavier, donc qualification du FC Brescia 2-0 face à Chauvigny, qualification. Début de match, Tony Truant. Oui, Tony Truant, par rapport à l'évolution du score. Après, en termes de jeu, voilà, je trouve même en termes d'envie, voilà, on était un cran en dessous par rapport à l'habitude, donc peut-être le fait de jouer le mercredi soir. Donc, c'est vrai, c'est compliqué parce qu'on gagne 3-0 ce match-là et puis on n'a pas produit grand-chose à mon goût. Donc voilà, on ne va pas faire la fine bouche, on s'est qualifié, mais il va falloir qu'on soit vraiment bien meilleur que ce qu'on a produit là. Donc voilà, c'était un match sans, je pense que pour les deux équipes, Chauvigny est voilà, une équipe qui est capable de faire beaucoup mieux aussi. Donc voilà, on a eu la chance de tomber sur Chauvigny qui n'était pas bien, et nous on n'était pas bien non plus, mais on a été légèrement mieux qu'eux. Donc voilà, tant mieux, et puis on va continuer à avancer avec les incohérences du calendrier, parce que c'est vraiment scandaleux les incohérences qu'il y a en ce moment au niveau du calendrier. Il y en a qui vont avoir 2 jours de récup, d'autres qui vont en avoir 3. Voilà, New York va jouer, alors qu'ils n'y peuvent strictement rien, va jouer Royan, qui aura fait 500 bornes 48 heures avant. Et puis nous, le jeudi 8 mai, on va jouer le jeudi 8 et samedi 10. Donc voilà, même les pros, ils fustigent un peu contre ça. Donc moi, je suis un peu énervé contre ce calendrier. Voilà, je trouve que l'éthique sportive est un peu bafouée sur ces 15 premiers prochains jours. Mais bon, après, je pense qu'ils... on va pas trop se plaindre parce qu'on va dire on se plaint, on est premier, de quoi il se plaint, il gagne les matchs, ouais, mais bon, ça empêche que le calendrier est complètement incohérent. Si on revient sur la rencontre, là, sur la deuxième mi-temps, on a senti tes joueurs un petit peu endormis. Oui, alors peut-être le fait d'avoir mené rapidement 2-0. Ouais. C'est vrai que voilà, alors, c'est vrai qu'il y a eu des faits de jeu assez compliqués, donc c'est vrai que leur gardien se tourne le doigt à 2-0, sur le balle de 2-0. Donc est-ce qu'il y a eu un peu d'appréhension des joueurs? Après, Pierre Bégard se blesse et puis il a fallu le sortir et faire intervenir les pompiers aussi. Alors peut-être que ça vient de là, peut-être un peu d'appréhension, un peu de temps de blessure, mais c'est le meilleur moyen de se blesser, et c'est ce qui s'est produit, un peu de casse sur ce match-là. Donc voilà, alors, j'espère que ça explique, tout ceci explique cela, mais voilà, il va falloir être bien meilleur à cause qui joue sa survie, et il va falloir qu'on soit bien meilleur que ce match-là. Ok. Justement, là, tu parlais tout à l'heure de l'accumulation des rencontres. Comment tu t'adaptes, toi, avec ton groupe au quotidien, pour justement gérer ces phases où vous allez jouer quasiment toutes les 48 heures? Ouais, on va jouer pratiquement tous les 3 jours, avec des matchs, comme tu l'as dit, tous les 48 heures. Donc on va essayer de faire du mieux, mais je pense que les dirigeants de la Ligue ont oublié que les joueurs travaillent. Il y en a qui ne font pas le pont. Nous mettre un match le jeudi et le samedi, c'est complètement absurde. Pendant que nos concours directs auront un jour de récup de plus. Donc voilà, nous on va faire du mieux possible, on va essayer de faire de la récup, essayer de faire de la prévention, boire beaucoup, leur dire de dormir, mais bon, ça reste des joueurs amateurs qui travaillent, qui ont une vie aussi familiale, donc voilà. C'est encore une amende, ça, Xavier. On va voir comment ça va se passer, mais ça va pas être simple à gérer, comme je le dis et je le répète, donc on va me dire que voilà, je pleure beaucoup alors que je suis en tête, mais avec vraiment des très grosses incohérences au niveau de la Ligue. Ok. On va revenir au week-end dernier avec ce qui s'est passé quand même, avec les deux montées de tes deux réserves, quand même une très grosse satisfaction pour le FC Brescia. Oui, là-dessus c'est très bien, c'est vrai qu'on fait une grosse saison, quoi qu'il arrive, on fait une grosse saison. Donc c'est vrai que l'objectif n'était pas vraiment prioritaire de jouer la montée en DH, mais ça a été vraiment, on voulait vraiment faire monter ces deux réserves, c'était important pour le club. Donc voilà, nous il s'avère que maintenant on est dans la course pour jouer le titre jusqu'au bout, donc on va essayer de le faire. Même si on va éviter de se mettre la pression trop tôt, on verra où c'est qu'on en sera après ces 15 jours, comme je vous ai dit. Mais voilà, grosse satisfaction que ces deux réserves montent et on est encore en lice, nous, pour espérer faire une saison exceptionnelle. Les 19 ans sont en course aussi, les 17 ans et les féminines aussi. Donc c'est vrai que ça peut être une très grosse année. Une dernière question. C'est toi qui gères les licences en DH au niveau de... Non, après c'est vrai que... Malheureusement, donc c'est vrai qu'il y en a qui en rigolent, mais je sais que c'est des choses qui peuvent arriver. Donc voilà, nous, c'est les dirigeants qui gèrent ça. Malheureusement, ça arrive et ça arrivera à d'autres. Donc voilà, c'est tombé sur Fetia et je pense que c'est eux les premiers déçus. Donc voilà, ils perdent même un point. Alors, on ne sait pas s'ils regagnent un nord ou pas, mais ils perdent un point alors qu'ils sont dans le maintien. Mais c'est des choses qui arrivent, donc là-dessus, je ne vais pas les critiquer parce qu'on n'est pas à l'abri, nous aussi, d'un jour que ça arrive. Ok, merci.